Je veux un monsieur Marcel pour creuser ma parcelle. Ah, faut des trucs, faire ça et ça. Et ben voilà! Qu'est-ce qu'on va faire? À l'appel est creusé. S'il faut creuser, préfères-tu qu'on creuse? À l'appel est tout bien pesé. Oula, eh oh. Tu vois un cadeau? Et il y a Kali. Ça veut dire que je vais rater mon cambriolage. 2, 3, incroyable, j'ai réussi. Donc on va mettre ce cadeau à l'abri. On va ouvrir une brèche ici. Il y a également cette clé et ce coffre qui sont tous les deux ensemble. Donc on va commencer par ça cette fois-ci. Incroyable. Et on va la foutre bien ici à l'abri. Je vais creuser là-dedans pour aller ouvrir le Yujat. C'est possible, t'as vu Spelunky. C'est goulé. Je n'ai pas détruit l'hôtel. Par contre, j'ai oublié de détruire l'hôtel après. Non, j'ai détruit ou pas? J'ai oublié de détruire l'hôtel après. Je suis pire. Bon, en vrai, c'est pas si grave que ça, mais. Est-ce que tu veux bien me confirmer que j'ai oublié de détruire le. Ouais, j'ai oublié, c'est sûr que j'ai oublié. Parce que deux. Eh bien, oui, j'ai oublié. Avant le pire. Tiens, va dans la là-bas, toi. Tu verras, c'est vraiment joli. Pas que j'oublie de trouver la carrette également. Ça sonnait là, oui, c'est là. Ok. En fait, sauver cette demoiselle d'ailleurs. Tant qu'on y est. Oh, il y a un hôtel là. Nice. Donc, on va bomber ici. Apporter cette fille à son destin. Et ensuite, on va faire ça. Est-ce que ça va le faire? What? Ce saut des araignées? C'est vachement chelou. Ok. Bon. Alors, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, ne pas spawn d'esclaves? Non. Ok. Voilà, un descendu. Peut-être que je vais faire ça, en fait. Et il va tomber tout seul? Non. Oulala, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Ah! Sacré merde. Va là-bas. Moi je fais ça. Et après je fais là. Merci. Et vous avez vu? Ce mec a survécu. Ah, mais il est survécu là, ok. C'est la merde. C'est la merde. La merde. Ça va me servir. Est-ce qu'on a un propulseur en bas? Nice. Ok. On va commencer par oxyre ce mec-là. Parce que c'est ce qu'il mérite. Et surtout, c'est prendre avec subtilité. C'est ça le plus important. Ensuite, alors. Donc il y a un certain nombre de mecs en bas qui gardent un propulseur. Fatalement, il doit être détruit.
Oula, lui. Oula. Oh, qu'est-ce que je l'aime pas, lui? Bon, ils sont morts peut-être là quand même. Ah, raclure. Ok. Ok. On va chercher mon petit légume. Je pense que le fait de tenir l'aubergine la rend assez. Est une assez bonne protection pour elle. Donc voilà, si vous aussi vous avez peur des dangers, entrez dans la main d'un Mexicain. Et ça vous protège à fond. Ok, bon, ils sont tous morts. Et ben on se casse? Ça vous dit? Ça vous dit on se casse? Timer sur les plantes. Zigoui déteste tous les speedrunners de Spelunky. On va faire ça. On va aller s'emparer de ces bombes. Ouvrir ça. Fuck me, putain. Et alors, je vois ton timer interne. Ok, bon, ce mec-là, a priori, ben, pas du tout. Ça va, est-ce que c'est assez angoissant à tes... Est-ce que cette situation est assez angoissante à ton goût? Vas-y, Gugui. Okay, je vois à peu près comment ça se dessine. Vas-y, les deux. Mais en vrai, non, pas vraiment, parce qu'en fait, il utilise une seule main pour s'accrocher. L'autre, elle tient l'objet. Ok. Alors là, j'aimerais trouver un. Ouh! Ah! Laissez-moi tranquille. Un hôtel de Cali, please. Ça peut se faire? Est-ce qu'on peut l'envisager tous ensemble dans un esprit de bon esprit? Non, je crois qu'il n'y en a pas ici. Hein. Je crois qu'il n'y en a pas ici. Et que me v'là fortement baiser. Si? C'est un hôtel ça là en haut à gauche? C'est un hôtel ça, je crois bien. Ok. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller trigger ce mec. Bonjour. Ça déjà. Est-ce que tout est safe? J'ai l'impression que tout est plutôt safe. Ou alors toi déjà. Donc, je vais poser ça ici. Et prier très fort. Eh, hey, Saturnin! Aïe, putain. Non. Tout va bien. Maintenant, faut prier très fort pour que la tête de Moray soit au niveau qui vient là.
Vous priez très fort, d'accord? Du coup, on va poser ça là. A priori, c'est à peu près safe. Je vois pas d'aliens dans le voisinage immédiat. Tête de moi, please. Oh, nice. Est-ce que ça suffit d'ouvrir comme ça? Sinon, au pire, je le fais pareil. Oula, aïe, aïe, aïe. Je vois pas pourquoi ça suffirait pas, donc on va faire comme ça. Oula, oups, je suis mort. Du coup, est-ce que quelqu'un. Est-ce que mon aubergine. Est-ce que mon aubergine pourrait ne pas rater les frites? Merci beaucoup. Voilà, on est bien. On est bien, il nous reste. Maintenant, j'ai peur de ne pas avoir reset le robot. Et calmez-vous enfin! 2, 3, 4. En vrai, je pense qu'il a les aides vraiment, mais. Il y a toujours la petite frayeur, quoi. Par contre, ne pas avoir les stickies ici, c'est bien la merde. Alors, il faut que je trouve un spot bien pour ce truc-là. Il faut que ce soit un endroit où il n'y ait pas de Lord qui tire régulièrement. Il faut pas qu'il y ait de. Je pense que ici, temporairement, ça va pas mourir. Donc là, on laisse ce mec-là exploser. Faut si je me débarrasse de ce truc là. Et bah c'est pas du tout safe ça comme endroit. Sous le vaisseau. Ouais. Bah là j'en vois pas. Ah si, peut-être là. Ouais, c'est bon, y'en a là, y'en a là. Très bien. Tout va bien. S'il n'y a pas d'al s'il n'y a pas du faux en dessous, ça va être safe. Il y a un UFO là, putain. Faut la foutre ici. Ah! Ça dit, une fois que je serai au-dessus du truc, il n'y a pas de raison qu'il descende. Donc, je pense que c'est bon. Bon, est-ce que j'ai besoin de tuer ce mec-là? Techniquement, pas forcément. Ah! Il y a environ 40 milliards d'ennemis insupportables par ici. Le robot, il est bien là. Ce commerçant est un petit peu handicapant. Il a crevé quand même là. Il a bien crevé tout seul comme une merde. Mais faut pas qu'il libère le robot de manière prématurée. Ok, c'est bon, il est mort. Il est mort, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Donc, il faut que j'amène l'aubergine à la sortie. Ouh là là. C'est l'heure des galères. It is grosse galère time. Donc là, il reste que les lords, mais a priori, les lords, ils sont pas dramatiques. Ouh là là, ouh là là. Eh ouais, oh toi là. Toi là, tu me respectes, hein? Tu me respectes, s'il te plaît. Je pense
pense que la sortie sera un spot raisonnablement safe pour cette aubergine. Ça n'a pas été abîmé, ces machins-là, a priori, ils vont pas bouger. On va laisser ça ici. Et donc. On va faire des tours de piste, c'est pas grave. Il n'y a aucun souci. Voilà, on va même poser une petite bombe ici. Je suis tout à fait angoissé par cette histoire-là. Sacré merde de robot. Tu viens avec moi. Alors, l'eggplant est safe ici, je pense. On va clear le chemin. J'aimerais bien que ce type meure. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ok. Du coup, je pose ce mec-là dans un spot le plus safe possible. Et je rush la sortie avec l'eggplant. On va se débarrasser de ce mammouth. Et de ce mec-là. Enfin, j'espère. Ok, je pense que je vais poser le mec ici. Après, je chope ça et je rush la sortie. Oh putain, c'est enfoiré. S'il te plaît, tu meurs pas. Reste en vie, hein, reste en vie. Non, il est mort, je suis sûr qu'il est mort. Je suis sûr qu'il est mort. Je suis sûr que cet enfoiré est mort. Oh, il est là. Oh, merci Dieu. Toi, tu viens avec moi déjà. Donc alors, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer par gérer cette momie, comme on peut. C'est-à-dire pas du tout. Si, c'est bon. Très bien. Très bien, très bien. J'ai pas les sticky bombes, c'est chiant. C'est très chiant. C'est très chiant, j'ai pas les sticky bombes. Je pense que là-dedans je peux creuser un trou pour le robot. Peut-être que je peux, genre peut-être si je la mets bien là. Non, ou bien comme ça. Non. Non, 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 non. Sans les sticky, c'est chaud de creuser pour lui, hein, sans les sticky bombes. Oh putain. La vraie. J'ai peur que ça détruise mon aubergine. Putain, non, non, non. Toi. Ok. Et du coup, maintenant, je peux creuser là-dedans, je pense, hein. Peut-être pas. Peut-être à cause du commerçant. Top gauche, c'est un spot. Ouais. Ça va pas être trop dur à creuser. Peut-être même ça va suffire? Pas vraiment, mais une fois que j'aurai fait ça. Ça. Maintenant, on va tuer le dieu Anubis à tête de chacal. Ça a l'air raisonnablement safe comme endroit. Alors, Anubis, 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 où es-tu? On va faire péter tout ce bordel-là. Anubis est là, ok. Je ne suis pas peu fier de ce qu'est d'Anubis. Ok. C'est ça qui est là. On va gérer la momie. Alors, le commerçant, est-ce qu'il est bien mort? Très bien. Donc, il faut juste que j'apporte ce sceptre à Jean Salopard en haut à gauche. Oups, je les stun avec le zèbre, c'est pas grave. Tu le ramasses? Oh le fantôme! Oh putain le fantôme! C'est bon, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Ah rip. Rip, 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 c'est pas grave. C'est pas grave. En gros, il faut que j'envoie super à droite. Ensuite, que j'amène le mec dans son safe spot, que je fasse choper le sceptre et que je récupère choper l'aigre du fantôme moi-même. Ça va se faire. Ça va se faire, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas.
C'est Vlad 2800. Ouais. Donc, toi tu vas dans ton safe spot, tu chopes ton sceptre, voilà. Et ensuite, je chope l'aggro du fantôme. Hein, voilà. Fantôme, tu me suivras, hein. Regarde. De toute façon, même si je shoot, si shoot le Volt, c'est pas un problème. Ça va le tuer. Il faut vraiment que tu meurs dans les pièces de France, merci. Ok, donc on ouvre les caisses. Parachute parfait. Ah, ok, c'est bon. Tout s'est bien passé, maintenant il n'y a plus qu'à finir elle avec mon aubergine. Ça va aller, vous allez voir. Suis toujours un peu triste de ne pas avoir les bombes collantes. Parce que tuer Yama sur les bombes collantes, ça va être chaud. On va laisser tomber cette momie dans son trou. Et 1, 2, 3. Ok. Je pense que je vais poser le bargain ici, en fait, faire ce que j'ai à faire et revenir le chercher plus tard. Là, on est vraiment pas là pour faire un speedrun. J'ai envie de m'emparer du fusil de ce mec. Pour pouvoir tuer Anubis 2 avec le fusil. Ça, c'est pour nous piquer notre argent. Espèce de sac à merde. Alors, c'est pas toi qui vas tuer mon aubergine, hein. Enfoiré de scorpion mouche. S'il y avait de la colle dans les caisses que tu donnes le mec, ce serait tellement beau. Ok. On est bien. La damsel, mais oui, évidemment. C'est vrai qu'une fois en enfer, ça va être plus chaud de trouver la damsel à sauver. Donc on va poser ça ici. Ouvrir les caisses. Les cordes. Les cordes. Des bombes. 12 bombes. Ok, c'est pas grave. Donc, ok. La sortie est un peu sur la droite et assez centralisée. Toi, tu vas par ici.
chercher la petite auberginette. C'est genre ici, hein, je pense. En fait, je sais pas trop parce qu'en fait j'ai pas non plus les gants de lancer. Du coup je risque de mourir à Yama. Effectivement, bah après en enfer j'ai 40 milliards de bombes, donc si je prends pas de dégâts à la con, ça devrait bien se passer. On va aller prendre l'amulette de Vlad, parce que c'est la mienne. Y a pas de raison qu'il la garde. Très bien. Cette chauve-souris, on la détruit. Ce truc-là, hop. Oupsi. Très bien. Ça. On dirait une damsel, hein. Ouais. Ouais, la vraie, c'est celle qui est dans le château. Oups. Très bien. Donc, maintenant que j'ai ça, on va essayer de creuser un chemin le plus vertical possible et le plus safe possible vers la sortie. C'est l'amulette de Vlad, qui en plus de porter mon nom, protège de la lave et du feu. Ok, ce mec est mort. J'ai assez envie de me débarrasser de ce truc. Et là, le chemin a l'air assez droit et safe. Fenêtre en face, je caresse le plexiglas. Un inventeur du sèche-linge, palèche, vitrine. Cache poitrine. Et on va faire une petite pause maintenant. Pause naturelle. On se retrouve juste après ça. A tout de suite.
Ok, alors le jeune fille, il va tomber dans la lave. Quoique non, en fait, vu qu'il n'y a plus de lave. Le chemin a l'air assez vertical. Sac à merde. Ok, bon, là, c'est barré. Peut-être que je peux l'écraser avec ça. Il est mort. Ok. Bah du coup, je pense que c'est tout droit. En fait, on peut juste rush down. Choper l'aubergine. Et rush down. Ok. ONG. Qu'est-ce qui se passe? J'ai raté quelque chose d'incroyable. Ah oui, bah les bombes. Comme j'explique à tous ceux qui me le demandent, en enfer, peu importe la question, la réponse, c'est la bombe. Si on veut le savoir, bien sûr. Ouais, exploser ce truc-là. Eh ben. Alors, c'est lequel la vraie? La vraie, c'est celle de gauche. Donc ça c'est une succube qui est morte. Donc on va sauver cet homme extrêmement magnifique. Tellement beau. J'attends. Puis il est direct, si je suis confiant. J'ai jamais fait ça, donc non, je suis pas confiant. Sinon, tu peux attendre cet espace des 5K avec les crânes. Ça veut dire quoi? Alors, on m'a dit que je pouvais plonger l'éclat dans la lave tant que j'y allais aussi.
Allez, saute. Si, quand j'en sors, elle est cramée. Il faut surtout pas que j'appuie sur la touche bombe. Voilà. Non, marche pas, saute. Allez, saute. Saute, 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 saute. Allez, mais suicide-toi! Allez, non! Sac à foutre, hein. Il dérange pas ce mec. Ouais, bah. Ok, mon aubergine est toujours là. Attention au vampire. Ok, bon, lui est mort. Ok. J'attends les crânes. Hey, NBTL. Thanks, NBDL. Wow, at last. And thanks, Kenny. Thanks, Lauren. Thanks, everybody. Welcome. Wow. Wow, so many stressful moments in this run. Wow, nice. Nice saw. Bow down. Well, I guess that's rip polo since it's the 10k the 10k moss points the 10k moss points penalty disappearing. So yay, French champion. My God. That's super nice. Yeah. The 4-1 also had a few, few tense moments to go, but it worked. It worked out eventually. Wow. Well. Bégaye sur un répondeur.